clever, no, you just let me down. You don't have to hide it, cause you know what I just found out. Fight to my head, what you said, now you want me to forget. Et tous ensemble, on représente le monde de notre cœur.
J'ai les bras qui traînent par terre, mais ça va. Eh bien, c'est super. En tout cas, vous pouvez les applaudir tous les trois. Hein. J'entends rien, mais faites du bruit. Hein. Le parcours était assez engageant, assez, ça tapait fort, disons. Mais franchement, je me suis très bien amusé. Oui. Première fois à Brion, pour moi, je pense que c'est un très bel enduro. Oui. Est-ce que je serais tenté de dire, est-ce qu'on a une chance de vous revoir un jour à Brion? Ah oui, bien sûr, oui. Pourquoi pas. Hein? Le chef là-bas. Est-ce qu'on a une chance de revoir toutes ces motos ici à Brionne? Il est dans les papiers, mon gars, il est concentré. Hein. Surtout que moi, j'habite en Île-de-France, même si j'ai un accent un peu comme ça, exotique. Mais c'est la seule course à moins de 200 km de chez moi. Donc, je voudrais bien qu'il y ait encore une autre édition de l'Enduro de Brionne en moto ancienne. Voilà, bah écoute, c'est avec plaisir. Je sais, par plaisir d'avoir animé. Elle remonte déjà bien longtemps, celle qu'on avait animée ici, mais c'était pas le premier passage. Et c'est vrai que c'était voilà, un plaisir de vous avoir. On les applaudit bien fort. Bah, c'était un très bel enduro. Moi, je me suis bien amusé. Ça ressemble un peu à ma Bretagne quand même, hein, puisque c'est des chemins qu'il y a par chez moi. Donc, c'était parfait. Quoi. On n'attendait pas trop au CH, ça c'est bien, des fois on attend beaucoup.
Moi, je veux tirer mon chapeau au chronométrage parce que je pense que depuis des années, c'est la première épreuve de championnat de France d'enduro à l'ancienne où on a un chronométrage qui a fonctionné correctement parce qu'on a connu des galères, mais c'est vraiment pas sympa quand on n'a pas nos temps et que c'est n'importe quoi. Donc là, chapeau au chronométrage, chapeau à tous les bénévoles qui étaient aux intersections, ça se passait très bien. Et puis, pourquoi pas une nouvelle course à Brionne, et on reviendra avec plaisir. En tout cas, nous, ça nous a fait plaisir de vous accueillir. Brionne, ça fait 25 ans qu'on y participe, c'est toujours un grand plaisir, c'est toujours une super organisation. Donc vraiment merci à tout le monde. Eh bien, bravo, on l'applaudit bien fort, on les applaudit bien fort, bravo à vous deux. Bah, j'étais content de revenir, hein. J'ai dû faire l'enduro une dizaine de fois. Donc j'ai déjà bandé deux fois ici, donc on s'en revient aujourd'hui. Bon, je vais pas me plaindre. Donc les Pierriers, la rivière, tout ça, c'est toujours la même. Hein. Donc un bel enduro, comme j'aime bien, et j'espère revenir. De nombreuses fois. Je crois que la porte est ouverte, le président dit rien, mais il n'en peut plus d'ailleurs, il est HS, mais en attendant, je crois qu'on est tous ravis de vous avoir accueilli. Louis, alors cette troisième place, t'en as pas marre qu'il soit devant comme ça? Non, parce que c'est ma première que je fais cette année en ancienne, donc j'ai des places à gagner, donc j'ai tout bon. Voilà. Les gars, profitez-en s'il va arroser ça. Voilà, je vais essayer. J'essaie de les avoir, la régulière. Ok, et puis allez. Comme ça, vous aurez parlé tous les trois. Moi, j'ai trouvé que c'était un super bon enduro. C'est bien, j'étais jamais venu dans un jeu. Et il faudrait juste que les temps soient un petit peu plus serrés. Allez, on les applaudit encore bien fort. Mais mes camarades, c'est la première fois que je viens à Brionne, c'est magnifique. Super parc, très belle organisation. Non, génial. Si vous refaites, je reviens. Voilà, il n'y a plus qu'à, comme dirait l'autre. Hein. On les applaudit encore bien fort et puis merci à vous. C'est vrai que vous avez tous des motos différentes, donc des fois la situation est différente. Quelle a été la tienne? Alors la mienne, après 8 mois d'arrêt de moto, en fait. Un peu compliqué aujourd'hui parce que le terrain était quand même un petit peu compliqué, on va dire. Mais sinon l'organisation, un grand merci aux bénévoles. Et puis je reviendrai certainement l'année prochaine. Ouais. Un petit la date de côté, c'est toujours sensiblement la même, donc nous c'est avec plaisir qu'on vous accueillera. Merci beaucoup. Non, normalement j'étais deux tours, je roule en catégorie 7-3. Sauf qu'il y a 4 semaines, je me suis fait opérer du genou et là c'est la reprise en y allant en mollo. L'heure du gros, super chouette. Bon, avec les pierres roulantes, faire un seul tour, ça suffisait là, par rapport à la situation. Quand je suis arrivé vendredi par la route en arrivant en Chartres, c'était tout plat. Et je me suis dit, mais on va rouler où? Dans des champs et tout. Mais je ne connais pas Brionne. Et d'un seul coup, j'ai vu une vallée. Et puis, j'ai eu la surprise de voir un parcours super chouette. Et puis, j'espère revenir ici un jour. Et c'est avec plaisir qu'on vous accueillera, en tout cas. Merci, Pascal. Et puis, pour quelqu'un qui reprend, il y en a qui reprennent, ils sont plus mauvais que ça. Hein. Vous pouvez quand même l'applaudir bien fort. Le mot de la fin, il te revient. Ah, c'est toi qui vas clôturer c'est la catégorie et puis la première place et donc le bilan on va dire de cette journée. Alors tu vas peut-être pas parler pour le nom des autres, hein, mais en tout cas de ton côté tu l'as vécu en faisant un tour aussi. T'as un petit peu le même ressenti, t'avais l'impression en venant en Normandie d'avoir un truc totalement plat. Oui, tout à fait. En arrivant, on a l'impression que c'est une région plate, il n'y a pas de dénivelé. Et en fait, c'est bien sérieux quand même. Il y a ce qu'il faut pour s'amuser. Et au niveau de l'organisation, bon, ben, il n'y a pas eu de soucis. Les fléchages étaient impeccables. La gueule est formidable. Ça, vraiment, c'est formidable parce que des fois, c'est pas comme ça. Hein. Et bon, on remercie les bénévoles. Le camping était très bien. Et faut remercier aussi les municipalités, je suppose, qui vous accueillent, tous les bénévoles et vous-même. Et on vous remercie. Bah écoutez, merci, on peut l'applaudir bien fort. Merci Jean-Yves. Et puis, bon retour. On sait que ça va être arrosé avec ce qu'il faut. Il y a ce qu'il faut par chez toi, normalement. Voilà. Bon, parce qu'ils m'ont quand même pistonné un petit peu, hein. Donc voilà, bon, en tout cas, on est ravis que tu aies quand même passé une belle journée, un bon week-end ici, donc à Brionne. On te reverra, évidemment. Oui, j'espère bien. Ok, allez. Non,
Je vous lâche les gars, hein. Je suis sympa, je vous fais pas trop parler. On les applaudit bien fort tous les trois. Bah, ça fait 2 ans que j'étais pas revenu ici et vraiment beau tracé, belle spéciale. Pas eu de problème pendant ce enduro, juste une chute en spécial 1. Sinon j'ai réconforté ma place toute la journée. Eh bien écoute, bravo, on les applaudit tous les trois, hein. On peut faire du bruit, hein. On veut les applaudir. Tracé activement, comment ça s'est passé là? Dis-nous un petit peu la vie à l'intérieur de Brionne quand on organise une manifestation comme celle-ci et puis qu'on est sur la moto. Bah, déjà je tiens à remercier tous les bénévoles, la Croix-Rouge, les bénévoles, aussi les gens qui sont sur le bord de la piste et sur les bords de route, parce que je pense que ça doit être bien long pour eux et ça doit pas être très plaisant, mais sans eux je pense que déjà l'enduro pourrait pas être, n'aurait pas lieu aujourd'hui. Après comment ça se passe, c'est un mois et demi avec tous des bénévoles, on nettoie des chemins, on essaye de faire au mieux. Maintenant on a essayé de diversifier, on a un Bruno qui est notre président qui essaye de bouger les choses. Donc bravo à lui et puis bravo à toute l'équipe et à tous les bénévoles. Quoi. Ok, bah merci, on peut l'applaudir bien fort. D'habitude, mais là c'est un peu particulier parce que j'ai des petits remerciements à faire, c'est-à-dire que j'ai cassé ma moto la semaine dernière et que si les gens qui sont autour de moi n'avaient pas été là, j'aurais pas pu rouler. Donc je veux absolument remercier Sylvain Moreau, grâce auquel j'ai pu rouler parce qu'il m'a prêté son 300 Sherco. Je pensais que le 300 c'était une moto réservée au papa, qu'il fallait être papa pour rouler avec ça. Bon, a priori je suis pas papa, mais ça s'est bien passé, donc je suis contente et merci à mon papa à moi qui était là aussi pour me soutenir. Et je sais pas en fait s'ils ont fini de charger. C'est dommage s'ils sont pas là, mais enfin, ils le sauront et ils savent que je les aime beaucoup et que c'est grâce à eux que je suis là. Et je suis très contente d'avoir roulé aujourd'hui en Normandie. Bah écoute, c'est que des compliments, j'espère qu'on aura le plaisir de te revoir en Normandie. Allez, Hélène, toi de ton côté, ça a été speed dès le départ, hein. Les gars sont restés tout de suite derrière. Donc comment tu l'as vécu toi de ton côté? Déjà je voulais faire des remerciements aussi. Je voulais remercier mon papa qui était tout le temps derrière moi à me ramasser de droite à gauche. Et je voulais aussi particulièrement remercier Steve Pasco parce qu'il m'a prêté une pièce, sinon sans ça j'aurais pas pu rouler. Et, voilà. Et je voulais remercier tous les gens qui étaient là pour moi. Voilà. Alors les papas de ces demoiselles sont pas dans les parages par hasard? Ça s'est plutôt bien passé. Première spéciale, je chute, donc je perds un peu de temps. Deuxième, je chute aussi. Après, les deux dernières. Je vais pas lever la tête. Plutôt bien débrouillé. Je crois que j'ai fait débrouillé. C'était un bon enduro. Oui, on a la photo. Je remercie l'organisation et les bénévoles. Ok, merci beaucoup. Alors, discutez, hein. On sait jamais. De ton côté, tu l'as vécu comment cet enduro? J'ai trouvé cet enduro assez dur, physique, mais un bel enduro, un beau tracé, des spéciales assez techniques. Mais c'était bien, j'ai passé une bonne journée. Et à ton tour, faut que tu y bosses aussi. Alors, troisième, c'est pas toujours la bonne place, mais bon, t'es au moins sur le podium. Comment ça s'est passé de ton côté? Bien, j'ai chuté plusieurs fois. Sinon, un bel enduro et je remercie mes parents. Voilà, et ça c'est fait. Je vais vous demander de les applaudir bien fort parce que ce sont eux là. Décor, puisque nous on ne connaît pas nécessairement l'envers du décor ici à Brionne. Donc on parlait de au moins une semaine avant de préparation facile, plus que ça. Plus que ça, non, beaucoup plus que ça. Il y a au moins 4 semaines avant, 3 semaines pour nettoyer les chemins, un week-end complet pour préparer les spéciales. Et surtout un gros boulot tout le week-end de l'enduro, puisqu'il y a toutes les personnes de la buvette, tous les secouristes qui ont eu un gros boulot aujourd'hui avec tous les blessés. Donc vraiment un grand merci à l'organisation et à tous les bénévoles qui ont été présents ce week-end. Et un grand merci au président Bruno Corrèze. Voilà, allez, bon, tu parles pour papa ou on laisse parler papa? C'est toi qui tiens la récompense, donc un petit mot sur la journée, parce qu'on va parler de la version assistance, puisque papa est en moto, toi t'étais l'assistance. Comment ça s'est passé pour l'assistance? Papa a bien roulé, il est pas tombé déjà. il a
fini dans les premiers, alors je suis très content. Voilà, l'assistance, donc, t'as pas eu trop à bosser, si j'ai bien compris, contrairement à d'habitude. Non. Bon, ça va, c'est déjà une bonne chose, alors. En félicitations, papa. Une semaine avant, le bilan de cette journée, qu'est-ce que t'en retires? Ouais, tracé vraiment top, les spéciales, la complète, puis une organisation super. Voilà, c'est presque, je serais presque tenté de dire c'est du Brio de moto verte. Ça sera le mot de la fin. Je crois qu'on peut applaudir toute cette équipe du Brio de moto verte, sincèrement, vous nous avez fait un bon boulot.